commence à tourner un petit peu plus depuis cette année. Là. Ouais. On a tourné en Poitou-Charentes, on est aussi allé dans la région de Lyon, Grenoble, un peu Strasbourg. On est allé à Lille. Lille aussi. Toulouse. Ben, on a un peu mis nos études entre parenthèses en fait, là, ah ouais, à partir de cette année. Avec le doyen en fait, qui aménage nos horaires pour pouvoir concilier les deux. On est tous les trois en 5e année de médecine. On a des disponibilités pendant un certain moment pour pouvoir poser le projet un peu le plus possible. Bah, c'est trop tôt quoi. Pour l'instant. D'accord. On est toujours inscrit à la fac. Pour l'instant, on a la chance d'avoir le doyen qui est conciliant, donc nous, on n'a pas à se poser la question. En fait, on peut pousser le projet à fond. On a sorti qu'un seul morceau pour l'instant. On a eu un EP avec deux remixes de ce morceau-là justement. Et là on a pour projet de sortir un EP très prochainement. Très prochainement. Avec trois nouveaux titres. Manu il est à la guitare, Camille il est au synthé. Et moi je suis au niveau des machines et du PC. C'est 40 et un MIDI Fighter. D'accord. J'ai la Camille sans synthé. Moi j'ai un Nord Stage 2. La première fois on a acheté une petite carte son en fait pour pouvoir enregistrer un micro et la guitare et puis on a cherché des logiciels, on a vu Live qui revenait souvent en fait, on s'est lancé dedans et une fois qu'on a commencé à le connaître on n'avait pas forcément l'intérêt de changer. Ce qui est bien c'est qu'il y a plein de tutos sur internet. L'investissement pour le spectacle, pour la scénographie surtout en fait, pour ajouter du décor, pour rajouter du matériel par exemple, on a un projet de mettre des pads. Donc le spectacle est plein d'ampleur. Que visuellement on arrive à transporter comme de la même manière visuellement que ce qu'on a envie de faire aussi en termes de son en fait. C'est que tout soit cohérent.